Bien. Et c'est parti sur ville et centre-ville. Mario, Wario, Go Ninja, je suis vraiment curieux de voir est-ce que justement c'est encore une fois de l'ex Maddie. Ah ouais, c'est ça, Maddie. On se base, on fait pas de strat, on se base sur le, l'instinct, sur l'instinct, voilà, sur les réflexes et tout. C'est vraiment, c'est la technique du film roll. Voilà, on utilise notre skill pour rouler sur les adversaires. On va voir parce que du côté Purga et Gluto. Oh là, hop là, Gluto qui s'amuse bien. Oh là, il a fait quoi là? Très très fort, alors là il a fait. Il a fait un 1080. C'est ça, voilà. Je l'ai vu faire un demi-tour chelou. Il a fait un 1080 avec la moto. 1080 tout Black Zone contact. C'était vraiment très très fort. Donc du coup ça donne un bon avantage à la team bleue. Un avantage complètement mérité. Furo qui est obligé de gaspiller son LB. Il arrive à rater l'edge avec le LB limite de Cloud. Je crois qu'il a voulu toucher avec la hitbox en maintenant bas, tu sais, dans un vif LB. Ouais. Et il s'est carrément fait avoir. Bon, ouais, après il a failli faire ce stock. Le bleu, bah, il maintient bien le truc, évidemment, avec cette stop providentielle offerte par Wario, par Mutonier au début du match, qui sont plutôt bien. La rage commence à s'accumuler sur le Lucario de Purga, donc on va commencer à avoir des setups un petit peu risqués. Et joli ça, down throw. Ok, voilà. Donc, au cas où on se pose la question, Wario a au moins un énorme avantage en double, exactement comme sur Brawl, ça down throw, qui envoie juste à côté, donc si le partenaire est bien positionné, c'est un smash gratuit. Le gars qui rate son side B, c'est bien dommage. Gluto, hein, toujours très bon joueur en double. Une fois qu'il a chopé Purga, a peu mal autant qu'il pouvait dans l'espoir que son partenaire arrive. Porte paume. Un side B à droite, un side B à gauche. Ça tue le Ninja Delex. Oulala, très très beau. Du beau jeu, c'est ça qu'on aime. Pas de follow-up. L'Exeo qui manifestement s'attendait à une throw et se tenait bien loin de Gluttony. Du coup il n'a pas follow-up, il n'a pas terminé le stock de classe qui aurait largement été possible à 7% là. Ouais, hop là, le petit upper qui termine. Gluttony qui overcommit à fond et qui le paye avec un son B stock. Avec un B complètement irrespectueux. Là, gros qui rebouche son allié. Et là on voit vraiment Kuro et Purga, en l'occurrence de la part de Kuro, qui ont une strat en double, qui est je vais aller aider mon pote dans ses combos. Il y avait Kuro à côté du Grand Ninja d'Elex, et il a complètement ignoré, il a largement sauté dessus bénéficiant de la mobilité de Cloud, en limite, pour aller simplement taper dans Elixiao et dans Gluto et Purga. Tout à fait. Allez, là on se retrouve avec 3 stocks à 5. Hein. Kuro qui est à 169%, qui refuse de mourir, tout en tuant son équipier un petit peu, parce que c'est pas drôle. Donc on a vu quand même encore une fois de la part de l'équipe rouge un combo raté depuis le shop de Gluto. Il va falloir qu'il se débrouille pour mieux capitaliser, au moins faire une throw, au moins, même si évidemment c'est du gâchis, mais plutôt que simplement pummel l'autre deux fois et qu'il arrive à se casser en roulade. Contrôle joli! Oh le B qui tue presque Lucario! Vraiment bien joué de la part de Gluto qui a vu venir la trajectoire des deux bleus et qui aurait pu limite en tout cas renverser la map. Là ça aurait été très très mal. Hein, le décide, maintenant le respect, Gluto qui perd presque ce stock. On était sur une situation encore assez jouable avec 3 stocks des deux côtés et d'un coup. Gluto prenant cette Horacia, des gros dégâts, si tu vois 130, il risque de perdre ce stock, genre sur un back air ou un truc comme ça, même de Cloud. Le Vessa est limite et le shield qui s'est bien bouffé. Malheureusement, Kuro obligé de faire ce buff pour Rocco. Et du coup, on voit les rolls de Purga. Maintenant, il reste à distance, il prend son temps, il est sur son dernier stock, il veut pas prendre tout son outil. Joli! Kuro, tout back air, très bien joué. Un petit dernier smash pour balayer. Purga qui trouve la repo de Kuro. Oh là, il aura fait encore à toi. Il aura fait tuer à 167%, c'est bien noté. Dommage, c'est bien raté. Et smash, Kuro qui a tapé dans son partenaire. Et voilà, pas de Devgar. Et là, d'un coup, tout peut changer. Elex qui est donc un de nos top players. De son côté, Kuro Shooter, je pense pas qu'il ait beaucoup d'expérience dans le match-up Greninja. Ninja. Il va falloir qu'il le montre rapidement qu'il est capable de deal avec Elex en 1 contre 1. Les rouges qui ont sur la toute fin, sur cette toute dernière action, rattrapé le retard qu'ils avaient accumulé avec les follow-up ratés. Et d'un coup, Elex qui prend l'avantage. Kuro qui a pas réussi à mettre un dégât sur le Greninja depuis 20 secondes. Tout à fait, bah depuis qu'ils sont 1 contre 1. Ah voilà, le petit upper, hein, on se demandait ce qu'il attendait. Mais Kuro qui décide. Dodge, il va vers un backer, il punit pas l'atterrissage avec un smash en backside limite. Kuro qui décide de gaspiller sa limite pour ensuite se suicider.
Kuro qui... Superbe jeu. Qui se rend complètement, je crois qu'il a fait direct V-up au lieu de double saut V-up. Et du coup, il prend pas l'edge et c'est malheureux pour l'équipe bleue qui avait un bon avantage depuis le début avec le suicide de Gluto. Gluto leur avait filé tout l'avantage du monde. Là. Au final, c'était revenu serré à 3 stocks contre 3 stocks, mais même dans ces cas-là, les bleus avaient un avantage au pourcent. Il y avait la limite chargée du côté de Cloud, etc. On a eu un petit peu peur au moment du jab. Ouais, du jab tout paix, là, le double paix. Bien trouvé. Hein. Ouais. Mais au final, ça semblait vraiment être confirmé pour l'équipe bleue sur malheureusement ce 1v1, cette situation clutch où Purga a perdu son stock. Ça s'est retourné contre eux et c'est l'équipe rouge qui l'a emporté. Tout à fait. Donc voilà, hein. Ils sont simplement concentrés et ils ont montré qu'ils avaient plus de détermination. Là, de travers un top shield de club, les deux adversaires. Là, tu as décidé un backer au lieu de faire un upper à ce moment-là. Je pense que ça aurait été. Je n'y mets pas de jugement, la limite de Cloud s'est chargée. On n'en est pas là, nous. Voilà, on n'est pas à ce stade des brackets. Le bon taf de la part de Lucario pour stock tank et même pour personne qui tank. Oh, joli les follow-up. Hein. Franchement, les fers ou aérial de Cloud, c'est bien vu. Les Usurus aérial de Cloud, pardon. En soi, c'est qu'il y a un personnage qui a absolument aucun problème à trouver la range dans les verts. Le side B de Kuro qui a été juste là pour tanker. F-Smash de Lucario, il manquait juste un peu de rage pour terminer le stock de Wario. Plutôt que c'était complètement laissé ouvert Kuro qui en lançant sa main. Agresser son allié. Et oh là 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 là. Les deux, tout le monde qui se fait envoyer voler là, tous les joueurs qui sont assez au pourcent sauf Kuga. Oh la what la backstro de Wario qui est un énorme backstro, c'est ça? Ouais, mais ça c'est tout les backstro, hein. La backstro de Mario c'est pareil. On peut tuer avec, en frappant un adversaire avec la backstro de Mario. Oh, Cloud va loin de stage, mais non, non. Ce UR qui va venir cueillir le Gluto qui passait par là, insouciant, se disant c'est bon, je vais juste repos tranquille. Bien, Philippe, moi j'ai cru que c'était le carré. Moi aussi, hein, moi aussi. Et non, tout va bien. C'est pas une erreur de. Oh là 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 là, le upper de Grenouille qui tue Purga. Là, qui est survivant, il va pouvoir se faire remonter tranquillement avec sa limite. Oh là là, le dunner, enfin le dunking passé. 60%. Combat au sommet du chien. Voilà, grab contre grab. Ah, parfait, les trop de Lucario qui suit par les claudes encore. Hein. Alors, du côté rouge, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, je ne reconnais pas exactement ce que tu as dit. Il y a Gluto clairement. En fait, les deux joueurs se cherchent pour les combos. On voit souvent Gluto qui attend quand il a chopé un des deux adversaires, qui attend qu'Elex se positionne. On voit Elex qui charge un smash, il n'est pas au bon endroit. Du coup, il y a une idée de on va jouer en double, on va faire des bons combos, mais simplement ils les ont pas tapés et ils n'arrivent pas à se retrouver, il n'y a pas la communication rapide. Du coup, c'est vraiment simplement le skill des joueurs en 1-1 qui fait la différence. Enfin, en termes de différence, c'est quand même les bleus qui mettent pour l'instant avec beaucoup de pourcents sur Lucario, mais c'est exactement ce qu'ils veulent, beaucoup de rage. Voilà, tout à fait, mais bon, ce qu'il faut, c'est que voilà, Lucario arrive à protéger un peu Lucario. Oh, joli ça! La backthrow, tout smash, tout P, qui met énormément de dégâts sur Cloud et qui aurait même pu terminer son stock. Backer de Wario sur le fer de Zonuga. Voilà. Je pense que si vraiment ils veulent faire quelque chose, vu que c'est des joueurs qui ont un très bon temps de réaction, faut pas qu'ils tentent de préparer des trucs. Faut vraiment qu'ils fassent ça sur le moment. L'impro, c'est vraiment ce qui leur réussit le plus. Du throw de Greninja sur Purga, qui a pas le réflexe de DI, qui passe très court naturellement et il perd ce stock. Tout à fait. Kuro qui prend un petit peu, voilà, qui face un petit peu plutôt. C'est beau ça, la réaction de Muto, alors qu'il était en train de reco, il a quand même la présence d'esprit de mettre un UR pour continuer le combo de son pote, enfin plutôt pour profiter de l'ouverture que lui offre son pote. Beaucoup de pourcents sur Wario, le P a été utilisé et va peut-être revenir en jeu, vu que ça fait un bail. La dash attaque de Cloud qui va presque tuer Wario, ce poids lourd. La limite est présente sur Cloud, ça risque. Là là là, Kuro qui se fait troller par le chien. La mort la dash attaque la bat trop. Oh là là, tellement de rage du côté de Wario. Je vais vraiment se passer un bon upset là dans la loupe. Et le death smash, malheureusement le shuriken de Elex qui va ouvrir la garde de Wario, qui va donc tomber dans le death smash que chargé Kuro. Toc, plutôt t'as bien attendu pour envoyer Cloud sur Elex, mais hélas, il n'y a pas eu de follow-up. En fait, on est assez serré malgré les pourcents très bas de Wario. On n'est jamais à l'abri d'une arnaque, surtout avec Lucario. Oh, là, il y a des petits Lucario qui a mal joué là sur ce coup. Hein. Purga aime bien faire ça sur ce stage, profiter du fait qu'il y a un mur vertical pour mix-up sa recovery. Il est sauté, mais là du coup, mais il avait déjà fait une fois contre Gluto dans le match, ça lui a suffi, il s'adapte très vite, il a fait ok, bah fais ce que tu veux, moi je te mets un FT, ça a tellement de range que tu vas te faire avoir. De son côté, Elex qui tente un truc.
Kuro qui dit tu pars avec moi, mais là c'était pas suffisant vu qu'il avait déjà une victoire. C'est la fin du match. Et du coup ouais, ça va être la Dream Team et les Xiao et Gluttony qui emportent ce match.